Salut tout le monde, c'est Bordefer, comment allez-vous? Moi, personnellement, ça va super aujourd'hui. On se retrouve pour un nouvel Hunger Games. Mais non pas sur les ZK Games, mais non, on est sur les Hunger Games-MC.fr, donc des nouveaux serveurs qu'on a rejoints avec Snotaki depuis 2-3 heures maximum. Et oui, donc en 2-3 heures, je sors quand même un petit gameplay, parce que c'est vrai que ce serveur est quand même super bien. Enfin, moi, je le trouve vraiment exceptionnel. Je vous expliquerai pourquoi tout au long de la vidéo. Donc on était VIP, donc voilà pourquoi j'ai fait la commande slash sponsor, donc qui fait spawner un coffre avec des objets dedans, comme sur Minecraft tiragé si vous en rappelez. Mais ce serveur est mieux que les Minecraft tiragés. Donc j'avais le kit épéiste, donc ça fait spawner avec une épée, une popo force 2, et voilà tout simplement. La popo de force 2 dure 1 minute 30 à peu près, et elle est à boire, et non pas à splasher. Donc voilà. Donc je disais, ces serveurs sont mieux, tout simplement, parce que... qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, il y a plusieurs serveurs, il y en a 12 au total. Et aussi parce que il y a beaucoup de kits diversifiés. Et il lag vraiment moins que les ZK, parce que depuis quelques jours, les ZK, ça devient vraiment impossible à jouer. Enfin, moi en tout cas. En plus, vu que je suis chez Snow, la co est vraiment insupportable, donc voilà. Donc là j'étais en train de me faire de la bouffe, donc vous avez eu mon coffre, j'ai eu un petit diam, c'est tout. Donc là il y a des gens qui s'amusent à me mettre dans la lave, hein. Ok. Donc dans ce Hunger Games, ce ne sera pas que un seul gameplay, vous allez voir. Ça va être un gameplay, deux gameplays et quelques kills. Donc voilà, parce que bon, j'avais envie quand même aussi de vous présenter un peu le serveur, un peu tous les kits. Enfin pas tous les kits, mais bon. Et au final, ça vous fait une petite vidéo de 18 minutes, plutôt sympathique à regarder. Donc déjà vous pouvez voir que sur ces serveurs, il y a des nouveaux marécages, enfin des nouveaux biomes plutôt sympathiques. Donc là ça va démarrer. Je voulais vous dire aussi que le serveur est en 1.5.2. Donc voilà, là il y avait des gens qui me poursuivaient dans la partie. J'étais avec Snow, donc là à ce moment là on va se rejoindre. C'est pour ça que je courais, je voulais le rejoindre avant. Donc là il va arriver, vous voyez à droite avec son nouveau skin, enfin le nouveau skin de notre team qui s'appelle Chicken PVP. Donc voilà, moi j'avais pas le skin parce que voilà, on n'était pas en team. Enfin, on n'était pas avec la team, donc voilà. Donc là, il va s'en faire un en popo de force, parce que lui aussi était payiste. Là, je vais avoir du mal à le tuer, parce que, je sais pas, je vais avoir du mal. Snow était parti se mettre à l'eau, enfin, dans l'eau, pour, voilà, pour éviter de mourir. Et donc là, je vais me le faire. Donc là, vous pouvez voir aussi en dessous qu'il y a deux petits noms. Donc moi, je vais m'empresser, vu que j'avais encore la popo de force. Donc là, je vais tomber, et là, genre, du mal, enfin, là, je vais le tuer, lui, et j'avais peur que l'autre, il était pas AFK, et en fait, il était AFK, donc c'était posé. Donc, j'avais plein de fer, c'était vraiment sympa. Et donc, ben là, à ce moment-là, j'avais fait 3 kills, Snow avait fait 3 kills aussi, je crois. Enfin, ces serveurs, ils sont vraiment exceptionnels pour faire du kill. Je vous le jure, c'est un serveur exceptionnel pour faire un carnage. Il est fait pour, j'ai l'impression. Donc voilà. Donc là je ramasse la pioche, je sais pas comment elle est passée de l'autre côté. Enfin bon, bref. Donc là avec quelqu'un, je vais me le tuer easy. Voilà. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'avec Snow on va se rejoindre. Je sais plus. Ça doit être là, ouais. Enfin bref. Donc là je vais me ranger tout ça. Oui, donc là-bas il y avait Snow, c'est ça. Je prends ma petite pomme, voilà. Enfin non, je me suis fail, mais c'est pas grave. Snow il vient de se faire encore un kill, il était à 44 blocs, donc c'était le plus proche. Donc je me suis dit, bon allez, j'ai dit faire. Je vais le faire chauffer. Donc non, ce n'est pas un jeu de mots, hein, pour tous les plus comiques. Voilà. En plus, j'ai remarqué que sur les serveurs, il y avait déjà pas mal d'abonnés. Donc ça m'a vraiment surpris. Vu que les serveurs, on les a rejoints il y a 2 heures. Et que franchement, on s'y attendait pas à ça. J'avais tout le monde qui faisait, ah, barre de fer, je suis un abo. Qu'est-ce que tu fais sur ces serveurs? Normalement, t'es sur les ZK et tout. Enfin bref, ça m'a bien fait rire. Et donc voilà, bah, je vous remercie tous, hein, tous ceux qui sont sur serveur. Grosse dédicace à vous. D'ailleurs, il y en a, il va se prendre une grosse dédicace. Mais je sais pas si ça va lui faire plaisir. Il s'appelle... Cool Warfare ou un truc comme ça. Et vous allez voir que dans le second gameplay, ça va pas être la meilleure des dédicaces. Mais bon, voilà, un très bon joueur. Et franchement, ça fait très peu de temps qu'on est sur les serveurs. Et on voit déjà que la communauté est très bonne. Les gens sont très gentils. Y a pas de kikou qui viennent piquer quand on casse des arbres et tout. Enfin, je trouve ça vraiment bien. Malgré qu'il y ait beaucoup de teams. Très, 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 très beaucoup de teams. Ça se dit pas très beaucoup. Enfin, bref. Voilà, donc il y a beaucoup de teams, donc faites attention. Donc là vous voyez le skin à Snow, son petit poulet, c'est le Chicken
Chicken de la barre de team, même si la team s'appelle Chickens PVP. Et donc voilà. Moi aussi, j'ai mon petit skin poulet, mais je l'avais pas mis à ce moment-là. Donc voilà, c'est pas très intéressant. Bref, on s'en bat les couilles. Donc, si, pour ceux qui. La team est ouverte, mais il y a beaucoup de critères. Et donc, ben, je vais vous les énumérer. Donc, déjà, le premier critère, c'est de savoir gérer le PVP normal et le PVP soupe. Vu qu'avec Snow, on s'est mis au PVP soupe. Qu'on va sûrement vous faire des vidéos sur les MC PVP si on arrive à sortir des petits gameplays. Donc là, je m'étais fait deux épées. Donc, je reprends juste vite fait le gameplay. Donc là, je m'étais fait deux épées. J'avais fait un plastron pour lui. Donc voilà. Donc je disais savoir gérer les soupes et le PVP normal. Avoir Skype et un bon micro pour pas qu'il y ait des petits grésillements quand vous parlez ou quoi. Avoir une voix assez. On va pas dire bonne parce que c'est vrai que la mienne est très aiguë. Donc je peux comprendre la plupart vont se dire ouais, mais toi t'as une voix aiguë, pourquoi tu parles et tout. Ce que je veux dire, c'est une voix qui soit agréable à écouter, pas une voix qui casse les oreilles dès qu'on l'entend parler. C'est un point très important. Vous disiez, ouais, mais ça va, c'est qu'une voix. Mais c'est un point important quand on est en team, qu'on est presque H24 en Skype, etc. Donc voilà, c'est un point très important. Avoir Minecraft Premium, ça c'est obligé, hein. Il n'y a pas de possibilité, d'autres possibilités. Donc là, je fais une petite interlude parce que je tue un gars posé. Il va pas me toucher vu qu'il était. Il était AFK. Enfin non, il était pas AFK, mais bon, bref. Et là, je vais faire une grosse erreur parce que je vais poser mes fours, mettre mon fer à chauffer. Et ensuite, ben, vu que Snow, on est dans la même pièce, et ben, il va me dire, viens m'aider, je suis vraiment en galère. Et donc ça va être là mon erreur parce que à cause de ça, ça va me commettre la mort assurée. Donc voilà. Donc j'aurais pas dû, mais c'est pas grave. Donc je disais, les critères c'est aussi, enfin c'est facultatif, mais c'est d'avoir une chaîne YouTube. Donc ça c'est pour avoir plus de chances de rejoindre la team. On fait pas ça pour avoir plus d'abonnés, non. C'est juste parce que on fait ça pour au cas où on fasse des events comme Fallen Kingdom ou quoi, et qu'il faut que dans chaque équipe il y ait un filmeur, et ben voilà, vous êtes obligé d'avoir au moins un filmeur par équipe. Donc s'il y a que deux personnes qui filment dans une team, et ben ça le fait pas. Donc voilà. Il y a d'autres critères aussi, mais je m'en rappelle plus trop. J'essaierai de vous les énumérer dans la description. Et puis voilà. Donc là, je vais rejoindre Snow vu que je voyais qu'il était en galère. Et donc là, vous voyez, il se faisait poursuivre par une team de deux. Et donc là, il y a le premier, il se barre. Et là, je vais mettre un dans la lave. Il avait Epidiams, donc je me suis foncé dessus et j'ai fait sauter dans la lave sans faire exprès. Donc là, vous allez voir, je vais le poursuivre, Posey, et je vais me le faire easy. Et en fait, ben, vu que j'étais tombé dans la lave, ben, j'étais proche de la mort. Et j'avais pas de pseudo, donc voilà, c'est dommage. Je suis mort comme une nouille. Voilà, barre de nouille, voilà. Donc là, un petit clip de kill, vu que je vous fais un petit truc avant de passer au second gameplay. Un petit kill avec le kit dresseur, vous allez voir qu'il est plutôt joli. Donc là, vous voyez qu'ils sont trois. J'en tape un exprès pour que mes chiens l'attaquent. Et donc voilà, là, je m'écartais un petit peu parce qu'il m'avait fait mal. Et là, en fait, vu qu'il s'occupait des chiens, je vais leur sauter dessus, mais sans réfléchir. Et je vais me faire une. Magnifique triple. Donc voilà, hein. Petit spoil parce que c'est pas fini, mais c'est pas grave. Donc voilà, et je vais vous mettre un petit second kill aussi avant de passer au dernier gameplay, enfin au second gameplay plutôt. Le clip n'est pas magnifique, mais bon, ça fait passer le temps, hein, voilà. Donc là, j'étais aussi épéiste, enfin voilà, donc j'étais en popo de force. Donc là, je vois one shot lui parce qu'il s'était déjà fight. Là, je m'approchais d'un autre, je vais me le faire. Easy, et puis voilà, ça va être juste ça. C'était pas grand chose, mais bon, c'est pour vous le plaisir des yeux, même si j'ai déjà fait une quad, j'ai déjà fait enfin des gros trucs bien méchants. D'ailleurs, la quad, je sais plus où je l'ai mise, c'est pas grave. Je vous la mettrai peut-être à la fin si je la retrouve, parce que je me rappelle l'avoir filmé, mais voilà. Donc là, deux petits gens, donc je vais me les faire easy. Donc là, je vais ouvrir la table de craft, et puis bon, voilà, le gars il s'était fail, donc voilà, une petite double. Et puis voilà, c'était posé. Et là, on va passer, je crois, au second gameplay. Ah non, là, c'était encore le même gameplay. Qu'est-ce que je voulais dire? Je me rappelle plus. Là, j'avais mis un petit accéléré. Enfin, je vous mets un petit accéléré. À partir de ce moment-là, ma voix est un peu en décalage, je m'en excuse. C'est à cause que, ben,
Mon accéléré, il bug un peu sur mon logiciel. Et donc, vu que je suis avec Audacity, bah, je vois pas forcément. Donc là, j'ai arrêté le truc et je m'approche d'un autre gars qui venait de se fight. Et donc voilà, là, je vais me le faire easy, même s'il m'a fait assez mal. Enfin, il va essayer de me shot, mais il avait pas d'arc. Enfin, il avait pas de flèche, donc voilà. Un peu easy. Là, je vais remettre un petit accéléré pour vous montrer encore des petits personnages. Enfin, si je me rappelle bien, donc là, je vais me vider. Enfin, c'était vraiment pas un truc de fou. Voilà, donc là ça va être le moment où je vais me faire. Enfin, j'ai pas arrêté le c'est pas grave, j'avais pas arrêté. Donc là, je vais me faire une petite double. Donc voilà, j'avais mis ma popo de force alors que j'aurais fait un perfect, donc ça servait pas à grand chose. Bon, c'est pas grave. Donc j'avais pas arrêté de l'accélérer, donc c'est pas grave. J'ai pas envie de refaire le commentary juste pour ça. Donc voilà, vous l'aurez vu en accéléré. Donc si vous voulez le revoir, mais c'est pas grand chose, c'est juste une petite double. Et donc là, je vais partir encore à l'assaut de. D'un nom, et en fait, quand je le vois, je me dis, allez, c'est bon, il est tout seul. J'ai encore une popo de force, c'est bon, c'est easy. Je vois vite un nom qui se rapproche. Je vois un autre nom, enfin, bref, c'était un kata. Ils étaient quatre, donc voilà, je pouvais pas faire grand chose. Donc là, il met un coup, donc là, je décide de descendre, et puis voilà, je m'en tue deux, donc c'est déjà pas mal sur une team de quatre, et puis voilà. Et donc là, on passe au dernier gameplay. Donc celui-là, il va être en entier, il y aura pas de petite speed, enfin, de petite accélération. Et donc voilà, vous allez voir en entier vu qu'il dure que 7 minutes. Donc vous allez vous dire 7 minutes, ça veut dire qu'il a pas perdu. Et si, ça veut dire qu'il a perdu. Et non, les gens. Eh ben non, hein. Donc ça veut dire que, en fait, je vais gagner. Donc en 7 minutes, vous devez vous dire, ah, le gameplay va être tout moisi. Mais en fait, non, ça va. Je vais faire quand même pas mal de kills. Donc je vais pas spoil, même si j'ai déjà spoil la victoire, c'est pas grave. Donc j'avais le kit Vampire. Donc un kit que j'utilise beaucoup parce que. Ben, il est sympa, enfin moi je le trouve sympa. Si vous entendez le son derrière de Camtasia, c'est normal parce que je sais pas pourquoi mon micro s'est déconnecté avec Camtasia. Donc voilà, je m'écarte un peu de l'écran pour vous éviter le bruit. Et puis si vous l'entendez, ben, j'en suis fortement désolé. Donc là, j'avais une hache, donc j'ai offert du bois à Enjoy Games parce que c'est un abonné. Donc voilà. Et donc là, il y avait aussi, ben, comme je vous l'ai dit précédemment, il y avait Couloir Phare. Et son ami, enfin son ali. Donc là, je vois en fait que j'avais déjà de la cobble, donc ça servait à rien que je descende prendre de la cobble. Donc je vais me faire du wab, enfin c'est vraiment posé avec le sponsor, c'est vraiment pratique. On n'a plus besoin de descendre, et en plus, on a 2 minutes 15 à peu près pour ce stuff. Oups, pardon, j'en suis sorry. On avait 2 minutes 15 pour ce stuff environ, donc ça fait un grand changement comparé aux ZK Games où on a que 2 minutes, dont 30 secondes, est-ce que ça bug, rollback, etc. Donc ça fait bizarre d'avoir trop de temps maintenant. Maintenant on a fini ce stuff, on a 50 secondes, on a toute la bouffe, on est déjà à 50 secondes et tout. Enfin c'est vraiment abusé. Donc là quelqu'un m'a offert un petit diamant, c'est cool. Donc là il y avait Couloir Phare et Clert, donc grosse dédié à vous deux. Très, très bons joueurs, ils sont VIP aussi sur le serveur. Donc voilà, en passage, en parlant de VIP, le VIP dure un mois, donc ce n'est pas comme sur les ZK, mais c'est pas grave. Il dure un mois, mais il est pas cher, il est à 3 € les amis, donc sûrement que je vais vous faire un petit concours pour les 700 abonnés par exemple, un petit concours pour vous faire gagner le VIP sur ce serveur et le VIP sur les ZK. Donc voilà, hein, juste pour un petit concours pour vous faire plaisir, voilà, rien de spécial. Donc voilà, donc là je vais m'en faire un easy, je comprenais pas, je vais donner 5 coups d'épée, il était pas mort, ouais. Si vous voulez. Donc là voilà, j'avais fait un kill. Ou Couloir Phare AF aussi un autre kill. Donc c'était plutôt posé. Là je vais m'écarter des deux pour aller me faire mon propre massacre. Et je crois que c'est dans ce gameplay où est-ce que je vais faire quand même un bon petit massacre en très peu de temps. Donc comme Swart l'a dit, je sais pas si vous avez vu sa vidéo. Donc vous avez qu'à aller voir sa chaîne, c'est Swart PVP. Il a fait une vidéo aussi sur ses serveurs et en 12 minutes, je crois. Non, en 8 minutes, il a fait 12 kills sur ses serveurs. Donc, c'est pour vous dire comment ces serveurs sont vraiment cheatés pour faire un massacre. Donc, là, ça démarre. Enfin, ça démarre. Je voyais des gens dans la faille. Ils étaient 4. Au début, je me disais, une team de 4, ça va faire très mal. Donc, je voulais descendre. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je descends avec ma popo dans la main. Enfin, bref, c'est pas grave. Là, je vais sauter comme un kamikaze. D'ailleurs, j'ai eu de la chance que ça descende pas jusqu'en bas. Parce que sinon, là, j'étais dead. Et ça aurait fait un gros fail. Si vous entendez du bruit à côté, c'est parce qu'il y a Snow qui s'approche. Dis coucou, Snow! Coucou! Connard. Tu vas enculer.
Voilà, coucou. Donc là, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, je me rappelle plus. Ah oui, je voyais quelqu'un tout seul, isolé. Donc je me suis dit, ils sont de l'autre côté de la faille. Si je tue lui, j'ai le temps de remonter. Donc voilà. Là, je vais me le faire easy. Je vais me le faire easy. Et je vais remonter vite fait parce qu'il me faisait peur en bas. Et là, je vois qu'il se tape. Donc j'avais vu qu'il se dépend d'Ali. Donc je vais leur sauter dessus. J'en tue un. Je vais tuer l'autre. J'étais en perfect. Donc voilà, j'avais tous mes cœurs. Et là, donc je vais me faire le dernier easy. D'ailleurs, je prenais pas ses coups. C'est bizarre. Enfin bref. Et voilà, là, je vais me le faire. Donc ça fait une quad. Donc en 10 secondes. Donc c'est vraiment abusé. J'étais vraiment foufou dessus. Snotaki peut le dire. Hein, j'étais complètement foufou. Oui, c'est normal que l'image soit comme ça, Rémi. Voilà. Donc là, je lui dis, ah cool. Et puis voilà, enfin, je pense qu'il s'en fout, mais c'est pas grave. Donc comme je l'ai déjà dit, c'est lui, c'est Cool Warfare qui va se fail complètement durant la vidéo. Donc dans pas trop longtemps, ça m'a bien fait rire. Encore GG à toi, parce qu'il s'était fait une double. Donc voilà, un bon joueur. Snow était pas dans la game d'ailleurs. Ah oui, il faisait son rendu de sa vidéo aussi. Donc lui aussi va sortir une vidéo sur ce serveur. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne, bien sûr, elle sera dans la description. C'est Snowtaki, comme son nom sur Minecraft. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Il fait des très bonnes vidéos et des très belles miniatures. Donc voilà. Donc là, je vais faire chauffer mon fer. Et c'est à ce moment-là qu'il y a Cool Warfare qui va tomber, enfin un peu après, parce que là je vais lui dire que j'ai du fer pour lui et il va tenter le MLG, c'est ce qu'il m'a dit après. Il m'a dit j'ai tenté le MLG, mais ça m'a fait. Donc là j'étais en train de me vider, je pars vers la truc et je crois que je vais commencer à crafter quelque chose, enfin je sais plus, je m'en rappelle plus. Je sais plus, ah c'était vers là, je crois, je voilà, je lui dis je viens chercher du fer. Il me dit, je sais pas, il me dit un truc genre OI SL, j'ai rien compris. Et donc, et c'est à ce moment-là, je vais commencer à me faire du stuff faire. Et il va se fail méchamment, ça m'a bien fait rire. Et puis voilà, donc gros GG à toi. Et voilà, vous voyez, fell from high place, donc ça veut dire qu'il est mort en tombant. Je vais me retourner, je vais voir tous ces objets par terre. Voilà, ici, tout devant moi. Donc, GG à toi, gros fail, bien joué. Et donc là, je vais me full faire. Et puis à ce moment-là, il y a les deux personnes qui vont arriver, les deux dernières personnes. Donc voilà, c'est un petit peu un spoil, mais c'est pas grave. Je crois là, j'étais à 7 kills. Donc en tout, ça va faire 9 kills en 7 minutes. Donc c'est plutôt pas mal, comme je vous l'ai dit. Ce serveur fait des bons carnages. Et puis voilà. Snow aussi va sortir une vidéo où est-ce qu'il a fait un très gros carnage sur une survie sur ses trois gameplays. Enfin, un très gros carnage, oui, 8 kills, c'est déjà pas mal. 8 kills. Je vais pas mettre le compteur. Hein? Je vais mettre le compteur. Comme tu veux, écoute. Et donc voilà, donc là j'étais en train de me stuff. Donc je me vidais et tout. Et là je les vois, enfin je l'ai entendu sauter, le gars. Et donc il va s'approcher de moi. Il va se mettre sur la tour. Et je pense que ça a été l'erreur qu'il a faite, c'est de rester. Il aurait dû partir, je pense, mais bon, après, je vais pas lui donner des conseils. Hein. Il a fait comme il voulait. Donc là, je vais monter. D'ailleurs, je me faille pour monter. Il va sauter. Là, j'avais plus de popo de force, donc voilà, c'était en normal. Je vais le tuer. Et là, il y a l'autre, il va me sauter dessus. Donc là, j'avais fait un perfect. L'autre, il va me sauter dessus parce qu'il pensait que j'avais perdu des cœurs. Et en fait, non. Enfin, non, j'ai pas fait un perfect. J'ai regagné de la vie vu que j'étais vampire. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Bye, tout le monde!